Tout a commencé il y a quelques années avec un film. Un film, vous dites? Un film, oui. Mais pas n'importe quel film. Parfait, je note. Un film adapté d'un livre, d'une œuvre littéraire, absolument pas comme les autres. Le patient a tendance à s'exprimer comme le narrateur d'un film d'auteur à budget réduit. Bon, vous me le dites si je vous fais chier. Monsieur Sabatin, votre niveau d'introspection est excellent. Il est même impressionnant, mais j'aimerais juste vous rappeler que cette thérapie a été mandatée par la Cour suprême. Vous avez agressé un pauvre homme en lui donnant un coup de tête parce qu'il voulait acheter un DVD. D'accord, mais est-ce que vous l'avez vu, le film Percy Jackson? Vous lui avez brisé le nez. Il a fait une hémorragie. Ben voilà, alors écoutez-moi et laissez-moi au moins finir. Donc, où j'en étais? Ah oui. Alors, tout a commencé quand j'ai voulu faire une vidéo spéciale Percy Jackson pour célébrer la sortie de la nouvelle série sur Disney+. Nous avons tous une œuvre de fiction pour laquelle on a un peu plus d'affection que les autres. Pour beaucoup, c'est du Star Wars, du Marvel, voire pour les plus edgy, du Rick and Morty. Et mon univers de fiction préféré, c'est sans contredit l'œuvre de Rick Riordan, Percy Jackson. Tout ce qui vient l'entourer aussi. Pourquoi cette œuvre est particulière? C'est parce que c'est de la fiction contemporaine, mais qui est racontée comme les histoires mythologiques traditionnelles, où tu comprends que ce qui arrive au personnage principal, Percy Jackson, c'est une petite partie d'une plus grande saga. Beaucoup de ce qui fait le succès intemporel d'œuvres comme Marvel et Star Wars, maintenant que j'y pense. L'univers de Rick Riordan, c'est donc notre réalité où toutes les mythologies d'un point de vue purement théorique existent, autant la mythologie scandinave qu'égyptienne que gréco-romaine. Et moi, la mythologie, j'adore ça. No shit Sherlock, tu me diras, littéralement 4 de mes vidéos les plus populaires de tous les temps, c'est des vidéos qui parlent de mythologie. Si vous aimez donc ces sujets, vous vous plairez ici. Soyez donc sûr de vous abonner, d'activer la cloche et de nous dire dans les commentaires de quel autre sujet on devrait traiter. Et comme je vois les choses venir, oui, si cette vidéo fonctionne bien et que je vois que l'univers de Percy Jackson, ça vous intéresse, je parlerai du deuxième film qui est encore pire que le premier. Mais bref, si vous, derrière votre écran, vous êtes fan de Percy Jackson, vous avez probablement déjà vécu cette situation. Non, je te jure, les livres Percy Jackson sont géniaux. L'histoire, les personnages, c'est parfait. Ouais, mais tu sais, moi, lire des romans, c'est pas vraiment mon truc. Bah, tu vois, ça, c'est pas grave, parce que depuis 2010, la saga Percy Jackson existe aussi en roman graphique. Un roman graphique? Un comic book, une bande dessinée, si tu préfères. Ah, bah fallait le dire tout de suite, t'es drôle, toi. Un roman graphique. Et les pamphlets pour aller voter, c'est quoi, des romans dépliés? Va pas sur ce territoire-là. Fais-moi confiance. Je l'ai appris à mes dépens. D'accord. Bon, de toute façon, même les comic books, tu sais, c'est pas trop mon truc en vrai, là. Eh bien, ça tombe bien, parce que les 5 livres sont disponibles au format audio, ainsi que leur suite, Les Héros de l'Olympe, le tout dans toutes les langues possibles et imaginables. Ben écoute, j'aimerais bien, mais moi, même les livres audio, je m'y perds un peu. Il y aurait pas à la place, je sais pas, moi, une série ou disons, un film? Évidemment, il fallait qu'on en arrive là. Sur ce, salutationnalisation, bienvenue à Faits et Fictions, l'émission où on analyse la culture. Aujourd'hui, comme la série Percy Jackson arrive cette semaine, on prend un bon coup de recul et on regarde la première tentative d'adaptation, Percy Jackson et les Olympiens, le voleur de foudre. Les adaptations. Donc oui, on vit dans une époque où quand un média littéraire devient assez populaire, on tente d'émuler cette popularité et de la répliquer en l'adaptant soit pour le petit, soit pour le grand écran. C'est une pratique qui ne date pas d'hier puisqu'on peut la retracer jusqu'à Georges Méliès qui en 1899 produira techniquement la première adaptation littéraire avec son Cendrillon. Et ça vient d'une époque magnifique où Internet n'existait pas, ce qui veut dire que quand tu faisais un compliment sur le film Seigneur des Anneaux ou le dernier Harry Potter, par exemple, t'avais pas quelqu'un qui rentrait chez toi par effraction pour te dire « Hey toi, le livre est mieux ». Ou ils peuvent t'envoyer des messages haineux sur les réseaux sociaux, soyons honnêtes, c'est pas tous les fans toxiques qui sont toxiques au même niveau. Mais je pense qu'on prend le problème à l'envers. C'est pas que le livre est toujours mieux parce que la littérature est un art plus noble que le cinéma, c'est plutôt le livre est mieux du simple fait qu'on adapte des produits au cinéma qui, narrativement parlant, sont déjà très forts et appréciés. Pensez-y 2 secondes, si un livre se voit adapté au cinéma, c'est que de base, c'est une histoire qui a été appréciée et qui a ramassé un public, dans le but d'élargir ce public et de répliquer le succès.
Personne ne va mettre des millions de dollars pour adapter en long métrage un livre que tout le monde a détesté. Tu vois des gens se battre pour l'adaptation de Ready Player 2? Yep, c'est ce que je pensais. Donc forcément, en adaptant un roman au cinéma, plus souvent qu'autrement, les fans du roman, ils ont un œil assez mitigé. Ça peut marcher très bien et être d'excellentes adaptations, comme Le Seigneur des Anneaux, j'imagine, je sais pas, j'ai pas lu les livres, mais le consensus, ça a l'air d'être que ce sont d'excellentes adaptations. Mais d'autres fois, ça peut être une vraie catastrophe, comme, je vous l'ai mentionné, Percy Jackson et les Olympiens. L'histoire d'un demi-dieu, fils de Poséidon, dieu de la mer, qui arpente les États-Unis vivant les mêmes aventures que les héros mythologiques de l'époque. La création du personnage de Percy Jackson, c'est quelque chose d'assez particulier. Le fils de Rick Riordan, Haley Riordan, était un enfant atteint de TDAH, donc du trouble de déficit de l'attention et hyperactivité, qui était aussi touché par de la dyslexie. Rick, pour tenter d'aider son fils étant lui-même un professeur d'anglais et d'études sociales, il lui passait ses connaissances en termes de mythologie grecque parce que c'est ce qu'il apprenait à l'école à l'époque. Le seul problème étant, Rick Riordan, il a fini par ne plus avoir d'histoire à raconter. Il a donc décidé de créer son propre héros, Percy Jackson. Et le reste de l'histoire, vous la connaissez. J'adore ce procédé créatif. On peut comprendre que Riordan, il pourrait regarder Percy Jackson comme une réflexion de son propre fils. Rick, il va donc écrire 5 romans avec Percy Jackson comme protagoniste, avec une suite nommée Héros de l'Olympe, où les dieux romains entrent en jeu. Je me demande si Rick Riordan y pense souvent à l'Empire romain. Mais bref, maintenant, parlons de l'adaptation en tant que telle. Percy Jackson et l'adaptation maudite. La série Percy Jackson, de base, c'est 5 livres qui se vendront à plus de 180 millions de copies dans 35 pays différents et qui seront traduits en 37 langues à travers le globe. Ce qui fait que la saga Percy Jackson, donc seulement les 5 premiers livres écrits par Rick Riordan, sont parmi les 20 sagas littéraires les plus vendues de tous les temps. Naturellement, vous vous en doutez, c'est juste une question de temps avant qu'Hollywood ne veuille l'adapter. C'est Fox en 2004 qui va acquérir les droits d'adaptation et engager le réalisateur Chris Columbus pour travailler sur le projet en 2007. Ça se voyait à l'époque que Fox, ce qu'il voulait, c'était une saga cinématographique d'heroic fantasy sur un jeune protagoniste à l'aube de l'adolescence qui va apprendre à prendre trop de responsabilités trop vite, et le tout bien sûr adapté d'une série de romans à succès pour tenter de capitaliser sur un public déjà existant. En gros, ils voulaient faire concurrence à Harry Potter, je veux dire, ils ont littéralement pris le réalisateur des deux premiers films. Le tournage commencera en 2009 et c'est là où tonton Riordan, il rentre en scène. Rick, il était assez inquiet par rapport à la dimension que prenait le projet. On peut créer un débat, que dis-je, on devrait créer le débat par rapport à quel point l'auteur d'une œuvre devrait être impliqué dans son adaptation. Mais ça, c'est un cas assez particulier parce qu'après la sortie du film, Riordan, il a rendu public les emails qu'il a envoyés aux producteurs et on se rend compte de quelque chose. Riordan, il essayait pas de contrôler les dimensions prises par la nouvelle œuvre, il tentait d'avertir la production sur certains choix assez discutables. Rick, c'est quelqu'un qui connaît profondément son œuvre. Tu me diras, c'est un peu normal, il en est l'auteur. Et surtout, il a écrit au-dessus de 20 livres se passant dans cet univers. Et ce qui le dérange, c'est pas tant la forme du produit que les fondations sur lesquelles elles sont basées. Ce qui ressort dans les emails, c'est que selon Riordan, le problème, c'est que les studios sont en train de faire quelque chose avec Percy Jackson qui n'est pas Percy Jackson. Je comprends que la décision de vieillir les personnages principaux de 12 à 17 ans a été prise. Et comme personne ne veut que ce produit ramasse du succès plus que moi, j'espère que vous me laisserez partager quelques raisons sur pourquoi c'est une mauvaise idée par rapport à la rentabilité du produit. Rick, il développe comme quoi certains de ses choix, incluant donc le fait de faire vieillir les protagonistes, ça vient tuer la possibilité d'une franchise, etc. Bref, faites vos recherches, ces emails sont très longs et très détaillés. Et les peurs de Riordan, on peut dire qu'elles étaient très fondées, c'est l'heure de regarder Percy Jackson et les Olympiens, le voleur de foudre. Le film en lui-même. Donc le film ouvre sur des images de gens demandant plus de ce genre d'adaptation. Ah merde, c'était juste un logo. La vraie ouverture du film se fait sur un ciel orageux où des éclairs stoppent soudainement leur carnage. On peut se demander pourquoi l'équipe de production n'a pas suivi leur exemple. On retrouve ensuite Coney Island où on va trouver un dieu grec, Poséidon, dieu de la mer et des océans, qui va foutre la trouille de sa vie à un pêcheur et... voilà, top! 1 minute 52 de film, c'est tout ce que ça a pris à cette adaptation pour tuer l'essence du lore de Percy Jackson. Déjà, de base, dans le livre, le monde est recouvert par une force mystique qu'on appelle la brume, qui empêche les mortels de voir les dieux et les monstres.
Si vous êtes mortel et que vous voyez un dragon voler dans le ciel, par exemple, la brume va le maquiller en nuages, ou en avion, ou en hélicoptère, ou sur peu importe ce que votre cerveau de mortel peut comprendre. Et retirer cet élément quand même primordial à beaucoup de retournements de situation dans l'œuvre, eh bien, ça enlève non seulement la logique de cette œuvre, mais ça crée d'énormes problèmes au niveau de la narration. Genre l'Olympe, elle est vraiment au-dessus de l'Empire State Building à New York? Pourquoi personne ne la voit? Comment Poséidon, qui mesure 10 mètres de haut, n'est vu que par un seul pêcheur? Comment le monde mythologique non dissimulé peut en fait rester secret? Aussi, on peut m'expliquer quand le pêcheur est en vie? Non, parce qu'il vient de voir Poséidon sous sa vraie forme, et autant dans Percy Jackson que dans la vraie mythologie grecque, un dieu qui montre sa vraie forme à un mortel, ça le désintègre. On est à même pas 2 minutes et on a déjà des gros red flags. Il dure combien de temps le film? Ah mais... Bref, Poséidon, il reprend sa forme plus humaine, pas sûr de pourquoi la petite drama queen n'a pas fait ça à la base, et se rend à l'Empire State Building pour voir son frère Zeus, joué par Sean Bean. Sean Bean, qui est un acteur connu pour mourir beaucoup à l'écran, ce qui est quand même ironique, quand tu sais que le projet de base ici, il est déjà dead. Zeus. Poséidon. Zeus et Poséidon, ils vont discuter et ils vont apprendre que quelque chose a été dérobé au dieu du ciel. De gros nuages d'orage. Mais pas d'éclairs. On l'a volé. T'es sûr de ça, Zeus? Non, parce qu'il y avait des éclairs il y a 2 minutes au début du film. Est-ce que ça veut dire que l'éclair vient d'être volé? Auquel cas, qu'est-ce que vous foutez à faire du Batman au-dessus de l'Empire State Building? Rattrapez le voleur! Poséidon, on m'a volé mon éclair. C'est pas le voleur qui court de l'autre côté de la rue? Ah ouais, merde. On apprend donc que Zeus, il blâme le fils de Poséidon pour ce vol et lui donnera son ultimatum pour lui rendre sa possession. Quoi? Tu crois que je l'ai pris? Nous n'avons pas le droit de nous voler le pouvoir. Mais nos enfants en ont le droit. Tu accuses mon fils. Il doit me rendre l'éclair au plus tard, dans 14 jours. Avant minuit au solstice. Et ici, on rencontre encore un choix assez bizarre. Le développement de Poséidon dans les livres, je vous l'accorde, il est pas énorme. Mais il tourne quand même autour du fait qu'au début, c'est un père absent et négligent et qu'il apprend à devenir une meilleure figure paternelle au fur et à mesure que l'histoire avance et surtout au fur et à mesure que Percy prouve sa valeur, autant en tant que guerrier, que héros, que personne. Je ne l'ai pas revu depuis le temps où il était bébé. Il ne me connaît pas, il ne sait même pas qui il est à cause de toi. Si tu oses toucher à mon fils, tu livreras le plus dur combat de ta vie. Or, faire de lui un père aimant et protecteur dès le début de l'histoire, c'est un petit peu bizarre, ça efface beaucoup d'éléments narratifs. C'est comme si t'avais Zuko qui arrivait au premier épisode et qui était comme « Ma sœur est folle, mon père est un sociopathe, je vais vous rejoindre dès maintenant en évitant un arc narratif de presque 3 saisons. Qu'en pensez-vous, mon oncle? » J'en pense que c'est un développement de personnage exemplaire, Prince Zuko. Bref, je chipote un peu, mais dans les faits, c'est quand même une très bonne intro. Les acteurs sont bons, la mise en scène est efficace, l'éclairage est magnifique, et ça met bien en place les enjeux principaux de l'histoire. En vrai, si le reste du film est comme ça, c'est pas si mal. Le reste du film sera pas comme ça, hein? Évidemment. Bien sûr que non, on coupe à notre personnage principal, Percy Jackson, joué par Logan Lerman, en train de se noyer après avoir lu le script du film. Mais non, je rigole, il sort de l'eau et on apprend qu'il est capable de retenir son souffle 7 minutes. Et il est vivant! Percy Jackson est une vraie bête! J'ai tenu combien de temps? 7 minutes, comment tu fais? Je me sens bien dans l'eau. Ah, c'est le seul endroit où je peux réfléchir. C'est là qu'on va rencontrer notre deuxième personnage principal, Grover Underwood, joué par Brandon T. Jackson. Non, je le dirai pas. Arrêtez d'insister, je le dirai pas. Non? Bon, parfait. Vous voulez que j'en parle? J'en parle. Dans les livres, Grover est blanc. Et ça... ça change absolument rien ici. Je le mentionne parce que le choix du casting de la série a fait énormément parler de lui-même. Mais la réalité, c'est que pour Grover, on s'en fout un peu de son ethnie. Le problème avec l'adaptation ici, c'est que dans les livres, il a un gros arc narratif qui tourne autour de l'accomplissement de soi, de la fidélité, de l'amitié et d'être capable d'accepter et de réparer ses erreurs. Ici, il est juste le stéréotype de l'ami noir rigolo qu'on voyait partout au début des années 2000 et où tout ce qui est important pour le personnage s'éclipse pour devenir un comic relief. Et encore, même ça, c'est raté. Grover, il est pas drôle, il est juste énervant. C'est pas trop l'ambiance de High School Musical. Wow! Les mecs, faites gaffe avec vos flèches! Un nouveau venu, bonjour! Les filles d'Aphrodite. D'accord. Bon, vous deux, vous avez des tas de choses à vous raconter. Leur mère est la déesse de l'amour. Tu sais où ça mène? Ou bien je peux lancer ma béquille là-haut. Je suis sûr que la perle va tomber. Grover,
Percy, je suis sûr que... C'est pas une mauvaise idée! C'est pas des blagues, ça. C'est une suite de mots mis à un moment inopportun avec une petite voix qui fait un décalage. Je veux dire, c'est de la comédie, ça? Qui a écrit ça? Ah, ok, ouais, non, là, je comprends. Pour les acteurs en eux-mêmes, oh mon dieu, il y a tellement de choses qui fonctionnent pas dans ce casting. Bon, déjà, vous avez 40 ans, et comme mentionné, Riordan, il était vraiment inquiet de voir les personnages vieillir à ce point. Parce que Percy Jackson, à la base, c'est l'histoire d'un enfant qui doit grandir beaucoup trop vite, et qui se retrouve avec une certaine quantité de responsabilité qui ferait flancher le plus adulte des adultes. Message très puissant quand ton protagoniste a 12 ans, un petit peu moins quand il est à la fin de l'adolescence. On coupe donc à une scène où on voit que Percy est mis dans une classe normale, avec un prof qui interroge des élèves qui n'ont pas levé la main malgré ses troubles. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que Shakespeare essayait de faire comprendre dans cette réplique tirée d'Othello? Percy Jackson? Je suis désolé, je ne sais pas. Ça, c'est un autre détail. Dans les livres, tu le vois que Percy, c'est une représentation des enfants ayant de gros troubles d'apprentissage. Il est dans des classes spécialisées, il se fait renvoyer de l'école littéralement à chaque année jusqu'à l'âge de 12 ans. Sa mère l'envoie en pension. Techniquement, c'est pour le protéger des monstres, mais ça, il le sait pas. Le lecteur comprend que du point de vue de Percy et du monde mortel, c'est parce qu'elle ne sait pas quoi faire avec. Et la morale là-dedans, c'est que Percy, il est pas juste différent, il est spécial. C'est quand même dommage d'enlever au personnage ce qui fait le personnage. Et on n'en est qu'au début du film! Percy rentre donc chez lui, dans sa famille composée de sa mère Sally Jackson et de son beau-père Gabby Ogliano, joué respectivement par Catherine Kenner et Joe Pantoliano. D'excellents choix de casting. Ah oui, quand ça marche, je le dis, là, ce sont des acteurs très compétents qui ont été bien choisis pour les rôles de Sally et Gabby. Sally Jackson, c'est la meilleure maman de l'histoire de la fiction versus Gabby, qui est un beau-père toxique, alcoolique et abusif. Un peu de respect, Gabi. D'accord? C'est ma mère qui est là. Ici, c'est ma maison. C'est à toi de respecter. Le seul problème, c'est que dans le livre, Gabi, il fait deux fois la taille de Percy et il passe son temps à l'envoyer en pension pour pas l'avoir dans les pattes. Versus ici, où Percy et lui font la même taille. En plus, regarde ça, Percy, il a l'air en meilleure forme versus Gabi, qui tient à peine debout. Je comprends pas comment, sur une base régulière, un personnage aussi impulsif et protecteur que Percy Jackson peut prendre la bullshit de Gabi sans rien dire. Surtout quand il peut clairement lui botter le cul. On a cet échange très célèbre ici. Je crois que ma dyslexie est en train de s'aggraver. Oh, qu'est-ce qui te fait croire ça? Je sais pas. C'est peut-être lié à mon hyperactivité. Première règle du cinéma. Ne me le dis pas, montre-le-moi. Il y a des moyens de montrer que Percy a certains troubles sans forcément le dire, ou peut-être l'amener de façon plus subtile. Ici, Percy s'exprime exclusivement en faisant de l'exposition. T'imagines, j'espère que c'est pas héréditaire? C'est peut-être lié à mon hyperactivité. Oh que oui, mon garçon, c'est possible. Moi, je pense que ma dépression clinique me force à endurer ta sale gueule sans rien dire. Ça doit clairement être lié. Donc, les personnages arrivent au musée où ils ont droit à un cours d'histoire mythologique de la part de leur professeur, Monsieur Bronner, joué par Pierce Brosnan. C'est une scène assez importante dans le livre. De un, c'est là que le livre commence, en fait. De deux, c'est là où tu comprends que Percy, il a un vrai intérêt pour apprendre la mythologie grecque. Et c'est quand même normal parce que c'est un sujet passionnant. Il y a 12 dieux de l'Olympe. Les trois plus grands sont frères. Zeus, Poséidon et Hadès. Ils sont parvenus au pouvoir en renversant leur père, Cronos. Ça, cette petite mention de Cronos, c'est la seule fois qu'on va le mentionner de tout le film. L'antagoniste principal de la saga a droit à un name drop au début de l'œuvre et plus jamais après. Gandalf, quelle est la nature de cet anneau? C'est l'anneau de Sauron, petit hobbit. Allez, bye, je dois aller, j'ai mon cours de yoga. Mais bref, comme mentionné ici, Percy, au moins dans les livres, même s'il n'est pas hyper passionné, on voit qu'il a un vrai intérêt pour les histoires grecques. Ici, il écoute même pas. Percy? Percy. Oh, pardon, quoi? Monsieur Brenner? Il se désintéresse totalement de ce que dit le professeur, il a des écouteurs et il est dénué de toute émotion, mais ça, on y reviendra. Comme dans le livre, donc, sa professeure, Madame Dodds, le traîne dans un coin isolé avant de se révéler comme étant une furie. Ce design ne fonctionne pas. Vous savez, c'est quoi, mythologiquement parlant, l'arme de prédilection d'une furie?
c'est un fouet en flamme. Là, est-ce que tu peux m'expliquer d'où elle le tient, le fouet? Dans sa bouche? Dans ses pieds? Ensuite, donc, la furie prend la fuite parce que, visiblement, la servante d'Hadès, fille de Gaïa, la terre, et d'Ouranos, le ciel, donc encore plus ancienne que les Olympiens, ne peut pas affronter un ado en béquille et un quinquagénaire en fauteuil roulant. Dans le livre ici, Bronner, il prend une épée et la lance à Percy. C'est Percy qui tue la furie. Non seulement ça donne du sens à la scène parce que le monstre ne s'enfuit pas dès la première difficulté, mais ça vient établir une partie importante du lore de Percy Jackson. La furie, quand Percy la tue, elle se désintègre, ce que font tous les monstres avant d'aller se régénérer dans le Tartare. Élément important parce que ça vient créer des ressorts narratifs chez certains sans-mêlés qui ont peur qu'un monstre qu'ils ont tué il y a des années revienne pour se venger, mais aussi et surtout, ça explique comment des créatures comme une gorgone ou un minotaure peut se retrouver dans l'ère moderne, alors que de 1, ils ont plus de 4 ou 5 000 ans, mais aussi de 2, parce qu'à la fin de leur histoire, ben, ils finissent par mourir. Comment donc corriger cette nouvelle incohérence dans le film? On dit rien. Bronner donc son iconique stylo B à Percy et... C'est une arme d'une grande puissance. Ne l'utilise que lorsque tu cours un grave danger. Un stylo à billes? C'est un stylo à billes! Ok. La réaction de Logan Lerman, elle est drôle ici. Grover amène Percy voir Sally, lui explique ce qui s'est passé et dire qu'ils doivent partir tout de suite. Au passage, il pète la gueule de Gabi. Tu vois pas qu'elle s'occupe de moi et de mes amis? Hé, hé! Tu parles pas à ma mère comme ça, espèce de boule de billard puante! Non, Gabi! Joli coup. Si vous avez juste vu le film, vous devez penser que c'est bien mérité. Si vous avez lu les livres, vous savez à quel point c'est satisfaisant. Donc, Sally, Percy et Grover prennent la Camaro de Gabi pour s'en aller loin de New York, là où elle va raconter à son fils comment elle a connu son père. Percy, c'est en rapport avec ton père. Je venais de quitter le lycée, je travaillais dans le New Jersey quand on s'est rencontrés. Sérieusement, tu viens d'arriver au moment où t'as rencontré son père? Non, je veux dire, il faisait jour quand vous êtes parti, tu lui as parlé de quoi pendant 2 heures? Est-ce que c'est Ted Mosby qui a écrit le script? Bref, ils se font attaquer par le Minotaure et tentent de s'enfuir. C'est là que Sally va se faire attraper et tuer devant les yeux de Percy. Percy va donc appuyer sur son stylo B qui se transforme en épée et défier la créature. Plusieurs problèmes ici. Dans le livre, il y a une raison de combattre le Minotaure, parce qu'ils ne sont pas encore en sécurité quand il les rattrape. Ici, tout ce que Percy a à faire, c'est 10 pas vers l'arrière et c'est bon, il est sauvé. De 2 aussi dans les livres, et ça c'est quelque chose qui me fait vraiment chier au niveau narratif dans les trailers de la série, c'est que Percy, quand il affronte le Minotaure, il a pas son épée. Il affronte le Minotaure et même le tue à main nue, ce qui est un testament à sa force physique et à quel point c'est un demi-dieu puissant. Ça nous mène donc à la résolution du combat. Le Minotaure enfonce sa corne dans l'arbre, elle se brise et Percy perd son épée. Percy a donc le choix, une corne de Minotaure plantée dans un arbre qu'une créature connue pour sa force physique n'a pas été capable de déloger, ou une épée magique surpuissante tombée par terre. Lequel des deux va-t-il choisir? Il va choisir la corne, hein? Ouais, bien sûr qu'il va choisir la corne. Percy tue donc le Minotaure avec sa corne et s'évanouit après. Il se réveille 3 jours plus tard pour réaliser que tout était vrai. Ma mère était là, et puis toi, t'étais là aussi, mais t'étais une sorte d'hybride. Moitié bouc, moitié humain. Wow! Non, non, non. Tout ça était réel. Ma mère est morte. Ça le fait un petit peu chier. Dans le roman, cette scène, elle va marquer Percy. On peut même parler d'un certain syndrome post-traumatique. Il a une paranoïa totale par rapport au fait que le Minotaure pourrait se régénérer et revenir se venger. Ce qui vient créer beaucoup de retournements de situation quand ça arrive dans le 5e tome, où Percy dirige une armée de demi-dieux pour protéger l'Olympe et où le général de l'armée adverse, c'est justement le Minotaure. Bref, une scène ayant eu énormément d'impact qui a été simplement bâclée pour le sens du spectacle. Et encore, je dis ça, mais le combat contre le Minotaure, il a rien de spectaculaire. Il en a absolument rien à battre, et regardez ça après! Comment elle s'appelle? Elle t'écrasera comme un moustique. Percy Jackson vient de voir sa mère mourir devant ses yeux, avoir la preuve de l'existence des dieux grecs, et sa réaction, c'est « Oh, salut toi! » Non, mais à voir à quel point il est horny, on est sûr que c'est pas un fils de Zeus. Justement, prenons cette occasion pour parler un peu de ce qui fait de Percy Jackson un bon protagoniste. Percy, c'est un personnage qui a un caractère très travaillé et profond, beaucoup plus que les personnages comme Frodon et Harry,
qui sont quand même assez vides. Ils ont des lignes directrices par rapport à leurs actions, par rapport à leur développement, mais de manière générale, c'est des assiettes blanches pour que le spectateur puisse s'identifier plus facilement. Percy, ce qui le rend intéressant, c'est que c'est un des rares protagonistes où si, dans le fandom, c'est votre personnage préféré, c'est quelque chose de totalement compréhensible. C'est aussi un des rares fandoms où tout le monde est totalement en paix avec le fait que le personnage principal est surpuissant. Mais surtout, ce qui fait de Percy un bon protagoniste, c'est que de manière générale, c'est une personne relativement agréable à avoir autour. Il est arrogant, mais dans un sens assez comique, et il n'y a absolument rien qu'il ne ferait pas pour un ami. Ici, Percy, il est vide, irrespectueux, braillard, et 10 minutes après qu'on lui ait confirmé la mort de sa mère, il est déjà en train de penser à où il va pouvoir fourrer son trident. Même sa réaction tout au long du film, quand il se rend compte que les dieux grecs, c'est quelque chose qui existe pour de vrai, il n'en a rien à battre. Ton sang est spécial. C'est le sang d'un dieu. Ça fait beaucoup à digérer. Tu vas t'entraîner à devenir un meneur, un guerrier et un héros. Je crois que tu t'es trompé de personne. Je suis pas un héros, je suis un loser. Monsieur Brunner. Pourquoi personne ne me l'a dit? Oh. Des chaussures volantes. Vous vous rappelez à quel point Harry Potter, il est émerveillé d'apprendre que la magie existe vraiment? Percy, on dirait qu'il voit quelque chose d'un petit peu intéressant. C'est ça, le monde grec pour Percy, c'est une page Reddit. Mais bref, reprenons, on nous présente donc le personnage de Clarisse, fille d'Arès. Anabès, la fille d'Athéna. Quoi? Anabès, la fille d'Athéna. Quoi? Anabès, la fille d'Athéna. Ah, ok, j'avais bien entendu, donc non, on nous présente le personnage de Annabeth. Dans les livres, c'est Annabeth, ou Annabeth, prononcez-le comme vous voulez, qui est en train de prendre soin de Percy pendant sa convalescence, ce qui vient l'établir comme une personne aimante et attentionnée. Mais aussi, ce qui marche pas ici, c'est son chara-design. Moi, ce que j'aime bien chez Annabeth, c'est qu'elle vient souvent péter le stéréotype de la blonde un peu stupide. Elle est la fille d'Athéna, déesse de la sagesse. Elle est tellement brillante que son intelligence est presque considérée comme un super-pouvoir. Percy Jackson lui-même déclarera dans la saga Magnus Chase que Annabeth est tellement brillante que ça en fait le demi-dieu le plus puissant de son ère. Et ça vient de Percy Jackson. Dans le quatrième tome, il a fait exploser le top du Mont Sainte-Hélène. Et ce chara-design, sans dire que c'est horrible, c'est quand même dommage. Déception que moi, je retrouve dans le casting de la série. Et comment c'est pas parce qu'elle est noire, c'est parce que moi, perso, ce que j'aime chez Annabeth, c'est son chara-design et le décalage qu'il porte. Donc ici, c'est plus un choix personnel. Mais dans les livres, on a aussi Clarisse, la grande rivale de Percy, la fille de Arès et la brute de service, contre qui Percy va gagner une partie de Capture l'étendard. Chose qu'on va retrouver ici contre Annabeth. Ma mère est la déesse de la sagesse et de la stratégie guerrière. Tu sais ce que ça veut dire? Je gagne toujours. Ils ont donc fusionné deux des personnages les plus opposés au niveau histoire et caractère de la saga. T'aurais aussi pu foutre le feu au cinéma, ça aurait eu le même effet. Allô? Oh non, non, tu me déranges pas, je suis juste en train d'écrire un scénario adapté d'un livre. Ah oui, non, que des mauvaises décisions, t'en fais pas. Mais ça, ça vient aussi retirer quelque chose d'extrêmement important chez le personnage d'Annabeth, c'est un personnage féminin, fort, mais fort de par sa narration. Ce qui la rend puissante, c'est pas juste qu'elle est une combattante très douée, mais c'est qu'elle est capable de résoudre n'importe quel problème, parce que c'est juste le genre de personne qu'est Annabeth. Elle est brillante, elle aime réfléchir, et surtout, elle sait penser avant d'agir. Là, on est en 2010. Hollywood s'est rendu compte que dans l'héroïque fantasy, les femmes ont peut-être pas la place la plus glorifiante de l'histoire, mais ils ont pas encore compris que c'est possible d'écrire un bon personnage féminin fort sans forcément passer par la case du « elle peut te botter le cul ». On va donc rencontrer Monsieur Brunner, qui est en réalité Chiron, l'entraîneur des héros, et on a droit à cette scène. Mon père est Poséidon. Le dieu des océans. Ça, c'est une des pires trahisons de l'œuvre. Dans les livres, les demi-dieux doivent être revendiqués par un parent olympien, et quand ça arrive à Percy, c'est un grand moment, parce que c'est censé être illégal pour les trois grands dieux de l'Olympe d'avoir un enfant mortel, mais ça, on y reviendra dans la suite. C'est seulement dans le cinquième tome, après que l'Olympe ait été attaqué par l'armée des titans, que les dieux vont passer une loi les forçant à revendiquer leurs enfants, et donc à connaître leurs parents olympiens, avant l'âge de 13 ans. Le pourquoi du comment, c'est qu'à 13 ans, généralement, les pouvoirs des demi-dieux commencent à s'éveiller, ils commencent donc à attirer l'attention des monstres. C'est fait pour leur faciliter la vie
et développer un peu cette espèce de mode de vie chez les demi-dieux. Un mode de vie consistant à constamment regarder par-dessus ton épaule pour voir si t'as pas un cyclope ou une hydre venu pour te tuer. Mais aussi, c'est très rare pour un enfant d'être revendiqué. Et ça, c'est une lame à double tranchant. Si c'est pas cool de pas savoir qui est ton parent olympien, une fois que les demi-dieux sont au courant de leur nature et de qui est leur parent olympien, ben les monstres les repèrent encore plus facilement. Bref, encore une fois, un élément iconique de la saga Percy Jackson qui ne semblait pas être assez important pour être adapté. Je sais pas, le choix devait s'être fait entre ça et faire de Grover un horny bastard. Mais bébé! Wouhou! Les satyres. Je te le dis, que des mauvaises décisions. On se prépare donc à la partie de Capture l'Étendard. On rencontre Luke Castellan, joué par Jake Abel. Je suis Luke, fils d'Hermès et chef d'équipe. Pas nécessairement dans cet ordre. Où est ton casque? C'est lui le méchant. Oui, spoiler alerte, Luke, fils d'Hermès, donc le fils du dieu des voleurs, c'est lui le voleur de foudre. C'est un reproche qu'on peut faire au livre aussi, mais au moins dans le livre, c'est amené d'une autre façon. Luke, non seulement, il agit comme un grand frère, et c'est très difficile de penser que le pensionnaire le plus apprécié et respecté de la colonie pourrait les trahir, mais aussi et surtout, t'as Hadès qui a l'air d'être très coupable. Luke, dans le livre, il s'entraîne avec Percy, l'aide à essayer de découvrir s'il a des pouvoirs ou des aptitudes spéciales, bref, il agit un peu comme son mentor. Ce qui fait que quand on comprend que c'est Luke le voleur de foudre, c'est un retournement de situation satisfaisant qui vient faire mal. Plein d'éléments qui font que Luke Castellan est un des personnages les plus populaires de l'univers de Percy Jackson, mais aussi que c'est un personnage qu'on m'a réclamé de nombreuses fois pour une analyse du mal. Soyez donc sûr de me dire en commentaire si ça vous intéresse, même si honnêtement je vois pas trop comment je pourrais illustrer cette vidéo. Donc vous l'aurez compris, ici autant Percy qu'Annabeth que Grover que Luke, tout le monde est mal fait. C'est très dommage quand t'as les personnages principaux dans cette catégorie. Donc, comme mentionné, Percy va gagner la partie de Capture l'Étendard. Ils font la fête, cette fête interrompue par... Percy Jackson, montre-toi! Par Lucifer. Hadès! Restez derrière moi! J'en ai déjà parlé quand j'ai fait une vidéo dessus, mais Hadès, c'est pas le méchant dans la mythologie grecque. En fait, c'est un des dieux les plus calmes et neutres. Il est plus préoccupé par son poste à gérer les enfers que sur ce qui se passe dans le monde des mortels et par des vaines tentatives de prendre le pouvoir à Zeus. Zeus qui, soyons honnêtes, a juste un règne de terreur à ce point. Et c'est dans cette optique que va Hadès dans les livres Percy Jackson. Il est même dit que le chemin de chez lui au travail lui semble trop long parce qu'il a tellement de choses à faire. Mais aussi cette fausse image de Hadès, principalement popularisée par des œuvres comme le Hercule de Disney, ou peut-être même comme le Choc des Titans original, je sais pas, j'ai pas vu le film, ben Rick Riordan, il l'utilise énormément. C'est à la fin de l'histoire du premier livre qu'on apprend que si Hadès il envoie des monstres chasser Percy, c'est parce qu'on lui a volé son casque d'invisibilité. Et que comme Percy est accusé d'étant le voleur de foudre, Hadès pense qu'il a volé son casque aussi. Le fait qu'Hadès ne soit pas le méchant ultime de l'histoire, c'est un gros retournement de situation qui vient surprendre le lecteur. Ici, non seulement c'est pas le cas, mais Hadès, il est pleinement méchant et veut prendre le pouvoir sur Zeus. Ma seule chance de sortir de cet endroit... c'est de vaincre mes frères et d'être le maître de l'Olympe. Mais bien sûr, pour cela, j'ai besoin de l'éclair. Comment donc bien détruire une histoire, un personnage et une figure mythologique en une scène? Chiron donc, il va donc interdire à Percy de s'engager dans une quête pour aller retrouver sa mère, ordre ignoré par Jackson. Ce que je comprends absolument pas, parce que dans le livre, c'est littéralement la quête donnée par une prophétie à Percy qui le pousse à sortir de la colonie et à aller voir Hadès. Ici, le fait que Chiron soit pas d'accord, c'est juste créer du conflit pour le plaisir de créer du conflit. Surtout quand tu sais que le fait d'avoir fugué de la colonie, ça aura aucune conséquence. On n'était pas en train de te demander la permission. Ça va, écoute, aujourd'hui, t'as essayé de me tuer, maintenant tu veux me défendre. C'était pas pour de vrai, c'était qu'un entraînement. Donc Percy va recevoir les chaussures volantes de la porte de Luke. Luke qui va leur indiquer la localisation de la porte des enfers et de trois perles leur permettant d'en sortir. Et comment ça marche ces perles? Facile. Tu prends une perle, tu marches dessus, tu l'écrases. Et tu visualises l'endroit où tu veux aller. Dans le livre, ces perles sont un cadeau de dernière minute de la part de Poséidon et les rendre obligatoires, ça crée un petit problème. À aucun moment, un seul de ces personnages ne s'est dit que d'avoir une porte de sortie individuelle des enfers en nombre de 3 allait être un petit problème quand il compte sortir de ces 10 enfers avec une quatrième personne. Même pas Annabeth, fille de la déesse de la sagesse. Non, ça traverse l'esprit de personne. Bon ben parfait. Ils vont embarquer donc dans une quête pour arriver à la grande jardinerie de Tatiem. Tatiem étant en fait Méduse, compris par Grover. Oh, c'est pas mon oncle Ferdinand, parce que mon oncle Ferdinand a été tué par... Méduse. Ah.
T'es sûr, Grover? Non, parce que moi, j'avais pas compris en voyant toutes les figures de Pierre épouvantées. Bref, ils vont rencontrer une madame qui se fera pétrifier par la gorgone. En même temps, elle a pas été super difficile à convaincre. Plongez votre regard dans le mien. Et Percy se retrouve nez à nez avec Méduse. Dans le temps, je sortais avec ton père. Si vous avez vu notre vidéo sur Hadès, vous savez très bien ce que j'ai à dire sur le sujet, et vous savez très bien pourquoi j'en parle pas en détail sur YouTube. Donc Percy décapite Méduse, ils prennent la tête et l'embarquent pour s'en servir comme arme, Grover la montre à une vieille femme sans faire exprès, et les enfants doivent fuir la police. Et quand je me suis réveillé, Sally avait disparu. Elle a été enlevée par Percy. Jamais elle serait partie. Ah, tu la fermes, Gabi. Génial. Maintenant, je suis un fugitif. Ils deviennent des fugitifs, c'est aussi comme ça dans le livre, et Gabi pense même à la télé. Qui l'eût cru, ils ont choisi de bien garder de bons éléments. Ils se retrouvent donc au Parthénon de Nashville. Je suis sûr que vous vous attendez au fait que je mentionne que dans le livre, oui, c'est l'arc de Saint-Louis, où t'apprends que Annabeth a une énorme passion pour l'architecture, et où il rencontre la chimère et Echidna, la mère de toutes les monstruosités. Mais en fait, c'est pas si grave, c'est même bien fait. La vérité, c'est que cette scène, elle montre vraiment c'est quoi la différence entre une liberté et une trahison. Dans les deux œuvres, on est à un moment où le personnage d'Annabeth est mis en avant et développé, puisqu'on est littéralement dans un temple dédié à sa mère et où on affronte une grosse créature mythologique. Elle est pas non plus super développée, mais dans le livre, tout ce que t'apprends ici, c'est qu'elle a une passion pour l'architecture. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'ici, c'est un changement créatif qui est pas très grave, parce que les deux scènes amènent à peu près les mêmes éléments et restent cohérent à leur récit. Et ici, le changement, c'est une scène semblable qui, en plus, est bien filmée, bien éclairée, bien montée, avec un pacing et une bonne mise en scène, les deux étant très satisfaisants. Et c'est là que je vais en profiter pour faire un compliment au film s'il ne brille pas par son travail d'adaptation, par son scénario ou par l'écriture de ses personnages. Le visuel est, selon moi, très réussi. On a donc eu une excellente scène, ce qui veut dire que j'ai pas grand-chose sur quoi râler. Quoique... Dis à Percy qu'il doit se mettre à courir. Qui prennent rapidement de la vitesse, tu vois, comme un avion sur une piste d'envol. En vrai, le seul problème ici étant les chaussures volantes. Étant un fils de Poséidon dans les livres, Percy ne peut pas les mettre parce que c'est le territoire de Zeus, et que donc s'il s'envolait, Zeus le tuerait. C'est donc Grover qui en hérite. Seul problème, elles sont enchantées pour traîner son porteur vers le Tartare. C'est un indice par rapport à la trahison de Luke. Mais comme mentionné, Luke ici, il est zéro subtil. On les retrouve donc ici dans un petit resto, et dans le livre, c'est le moment où arrive Arès, dieu de la guerre et antagoniste principal de cet épisode de la saga Percy Jackson. Et c'est pas dans le film. Ils ont pris la peine d'écrire la scène, de créer le set, de la filmer, de la monter, mais Arès n'est pas dans le film. Ils ont retiré l'antagoniste principal de l'histoire à l'adaptation. Non, je crois que tu comprends pas. Absolument que des mauvaises décisions. Perle suivante, ils se retrouvent à l'hôtel Casino du Lotus où ils vont se faire... droguer à leur insu? Ben, je sais pas, dans le livre, c'était plus subtil. L'hôtel t'attire avec des choses que tu aimes, mais genre, des choses que tu aimes vraiment. Annabeth, elle voit un jeu vidéo sur l'architecture. Non, ici, c'est simple. Tant que tu manges les fleurs, tu es totalement inhibé et tu ne peux pas reprendre le contrôle. Donc, comme dans le livre, Percy, il se rend compte qu'ici, il y a des gens prisonniers depuis des années. Tu l'as déjà vu? Ouais, bien sûr, en DVD. C'est quoi, un DVD? Attends, de cette année? Ouais, cette année? 1971. Sauf que dans les livres, il le comprend tout seul comme un grand, alors que dans le film... Mange pas cette fleur. Ah oui, j'ai oublié de le dire. Oui, dans l'univers Percy Jackson, dans les livres, Poséidon, c'est un père distant. Mais ici, dans le film, Poséidon, il parle avec Percy mentalement, mais seulement quand le scénario a besoin d'avancer. L'eau te donnera la force. J'aime penser que dans les faits, Poséidon, il garde un œil sur Percy depuis son trône à l'Atlantis, et que quand il se rend compte à quel point il a enfanté un moron légendaire, il est genre... Il est con quand même, mon fils. Je vais lui donner un petit coup de main. Et là, j'ai appris quelque chose en me promenant sur Internet par rapport à la scène dans l'hôtel Casino du Lotus. Je sais pas si c'est vrai. Je l'ai vu dans une vidéo du Mythology Guy. Normalement, après être sorti de l'hôtel Casino du Lotus, le prochain danger, c'est Procruste. Procruste, un personnage de la mythologie grecque, connu pour faire se coucher les héros sur ses lits et pour couper avec une hache ce qui dépasse du matelas.
Procrus, c'est pas un personnage aussi connu que les sirènes, que l'hydre, que le lion de Némé, etc. Ça fait quand même plaisir de le voir. Moi-même, j'avais aucune idée de qui c'était avant Percy Jackson. Et à ce qui paraît, à la base, Procrus, il était dans le script. Même, j'ai entendu dire que les scènes avec Procrus, elles ont été filmées, mais qu'elles ont été virées du montage final parce que ça rendait le film trop long, et aussi, surtout, parce qu'ils voulaient plus de Grover qui danse, je sais pas si le choix est judicieux. Les enfants, ils se rendent compte qu'ils sont restés 5 jours dans l'hôtel. Alors donc, prochaine péripétie, ils arrivent à l'entrée des enfers qui se trouvent à Hollywood, ça au moins, c'est logique. Et Grover va avoir une interaction avec Caron, le gardien du passage. Yo, mon ami! Ha! Tu vas bien? D'accord, prends le pognon et tu payes un décorateur d'intérieur parce que c'est trop déprimant ici. Ça faisait $170! Mais t'es un satyre abruti. T'es une créature mythologique et tu sais pas comment payer Caron? Les drachmes. Montez à bord. Donc on arrive aux enfers. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Le dépotoir de la détresse humaine. Les humains se débarrassent ici de leurs espoirs et de leurs rêves perdus. Ah oui, pardon, on arrive dans l'enfer des chrétiens, là où vont seulement les mauvaises personnes, et on se retrouve même pas devant Cerbère, le chien censé garder l'entrée de l'Erebe. À leur décharge, un chien à trois têtes dans leur première aventure, la comparaison avec Harry Potter aurait été un petit peu trop évidente. Donc on va rencontrer Hadès, joué par Steve Coogan, et... Mon neveu. Bienvenue. Tu as les traits de ton paternel. Tu es bien du côté chanceux de la famille. Ça me tue. Bon, ok, ce Hadès n'a absolument aucune ressemblance avec celui des mythes ou des livres. Il tombe dans le cliché du métalleux satanique et confond le dieu des enfers avec Satan. Mais j'aime son chara-design. En fait, si c'était pas juste de ses motivations totalement incohérentes, ça aurait été un super Hadès. Je suis Hadès! Alors donne-moi l'éclair ou dis adieu à ta mère! Même son palais, il est bien fait. C'est exactement à ça que je m'imagine que la maison d'Hadès doit ressembler. On l'oublie, mais c'est aussi un des dieux les plus riches. Là, je suis dans une situation difficile parce que autant j'aime bien ce qu'ils font avec Hadès si on enlève l'espèce de côté Lucifer totalement dégueulasse, mais aussi, ben, Hadès, dominer l'Olympe, et ça a jamais été une de ses motivations. Et je vois pas pourquoi ça devrait l'être. Mais aussi, de deux, Hadès, il a jamais vraiment été exilé d'où que ce soit. Il est pas le bienvenu à l'Olympe, mais c'est pas non plus une méga interdiction 100% formelle. Surtout si tu lis entre les lignes, autant chez Riordan que dans des histoires comme celle de Perséphone, Hadès, non seulement il aime sa femme, mais il aime aussi sa position. Sa seule vraie préoccupation, c'est l'ordre total des enfers. Et moi aussi, personnellement, quand tu vois à quel point les dieux et même les primordiaux craignent des répercussions de la part des enfers, je suis le genre à penser que Hadès, de la puissance, il n'en a pas vraiment besoin. C'est peut-être même le plus puissant des Olympiens. Bref, donc on réalise que Percy a eu l'éclair tout au long de l'histoire, caché dans son bouclier donné par Luc. Non, Luc a tout arrangé. Il a mis l'éclair dans son bouclier et il s'est servi de nous. C'est Luc le voleur de foudre. Non, sans blague. Donc Perséphone trahit Hadès, les historiens se retournent dans leur tombe et personne ne mentionne les incidents diplomatiques que ça va avoir. Il ne se souviendra de rien. Comment ça, il se souviendra de rien? Je veux dire, j'aime beaucoup la mythologie grecque. Je suis pas non plus un expert qui a un doctorat là-dedans, mais je suis à peu près sûr qu'effacer la mémoire, c'est pas un pouvoir des éclairs de Zeus. Bref, il est temps de ramener l'éclair à l'Olympe et... Seulement 3? Oh non. Et vous êtes 4. L'un de vous va devoir rester. Encore une fois, je sais que les demi-dieux sont dyslexiques et TDAH, mais... Bah, compter jusqu'à 4, c'est facile. On laisse donc Grover derrière, les personnages se retrouvent devant l'Olympe, où visiblement, Sally, elle sait beaucoup de choses sur le monde des immortels. C'est pas l'Olympe, c'est... C'est l'Empire State Building. Percy, l'entrée de l'Olympe est là. Et là, ils seront attendus par Luke. Percy Jackson, tu n'étais pas censé t'en tirer vivant. Quoi? Tu n'étais pas censé t'en tirer vivant. Comment ça, il devait pas sortir des enfers en vie? C'est toi qui leur as donné les perles pour en sortir! Dommasse! Vous savez, ce serait dommage de pas aborder ça maintenant, mais heureusement que les personnages principaux ont le QI cumulé d'un verre d'eau tiède, sinon, ce Luc Castellan, il aurait jamais été une menace. Ce qui rend Luc dangereux dans les livres, c'est son expérience au combat, mais aussi sa ruse et son charisme. Il fait bien opposition à Percy, qui lui est juste surpuissant d'un point de vue physique. Ici, Luc, il est pas super brillant, il est même assez stupide pour donner l'éclair à Percy directement au début de l'aventure. Même pas caché par magie dans un sac à dos,
via un émissaire à un moment crucial. Non, Percy, il sort de la colonie avec l'éclair qui est dissimulé dans son bouclier et il s'en rend juste pas compte. Donc Luke et Percy vont se battre dans un combat assez brouillon mais qui a un final impressionnant, ça me ferait mal de pas l'avouer. Peut-être qu'ils ont fait erreur. Peut-être que t'es pas le fils de Poséidon. Ah oui. Je crois que je suis le fils de Poséidon. Faut juste se demander comment Percy peut faire jeu égal avec Luke, qui a plus d'expérience que lui. En plus, il se bat avec les chaussures volantes d'Hermès. Ah, c'est vrai, le scénario a besoin d'avancer. Et justement, avançons. Bref, c'est le moment de rentrer à l'Olympe. Sally étant une mortelle, elle ne peut pas les suivre. Merci de clarifier que d'échanger Grover contre elle, ça servait absolument à rien. Percy rend l'éclair, il a une bonne discussion avec son papa, et tout est bien qui finit bien. Je n'avais pas besoin de toi tout le temps. Mais j'aurais aimé t'avoir vu juste une fois. Je voulais revenir, mais j'étais avec toi et ta mère, je devenais moins préoccupé par mes responsabilités. C'est pour ça qu'il a fait voter la loi empêchant les dieux d'avoir le moindre contact avec leurs enfants. Mais je veillais constamment sur toi. Ce n'est pas parce que tu ne me voyais pas qu'il faut en déduire que je n'étais pas là. Père dont tu as toujours eu envie. Mais si tu as besoin de moi, je serai là pour toi. Dans tes pensées. Donc c'était Percy Jackson et les Olympiens, la raison de ma dépression. Alors si je comprends bien, vous avez agressé ce pauvre septuagénaire parce qu'il était sur le point d'acheter un mauvais film? Pas juste un mauvais film, docteur, un parjure par rapport à une des œuvres de fiction les mieux développées de sa génération. Monsieur, tout le monde a des opinions impopulaires, ça vous donne pas pour autant le droit de faire du mal aux gens. Puisque je vous dis que j'essayais vraiment juste de l'aider, donc bref, de toute façon, votre travail, c'est pas de me dire comment me comporter, votre travail, c'est de m'évaluer. Bon, ben sur ce point-là, on est d'accord. Et justement, par rapport à ça, comment je m'en sors? Je vais en prison, pas vrai? Donc, c'est le moment où je dis que Percy Jackson et les Olympiens, c'est un film horrible, blablabla. Quand j'avais 11 ans, c'était mon film préféré. Et ça allait rester pendant longtemps. Bon, ok, c'est pas bien, c'est une mauvaise adaptation et un mauvais film. Et si j'ai fait référence au livre tout au long de la vidéo, c'est pas juste pour brailler sur la dénaturation et sur le fait que je veux pas qu'on prenne des libertés, c'est pour montrer ce qui marchait dans une œuvre et qui ne marche pas dans l'autre. Pourtant, ce film, il est pas si horrible. Déjà, visuellement, le travail a été très bien fait, surtout au niveau de la lumière et de la caméra. Tu vois qu'on a foutu le matériel de cinéma dans les mains de quelqu'un qui connaissait son métier. Le problème, il est plus subtil que ça, c'est qu'ils ont pris les éléments faits pour raconter une histoire et ont tenté d'en raconter une autre. Et l'autre histoire, ben, elle est bâclée et mal foutue. Alors forcément, ça va avoir des répercussions autant sur la qualité de l'œuvre que sur la façon dont elle est reçue de par les gens aimant le matériel source. Mais ce film, il a quand même permis à une génération entière de découvrir la saga Percy Jackson. Moi-même, j'ai découvert les romans qu'après avoir vu le film. Et il y a même des trucs présents dans le livre que je préfère dans le film. Déjà, le stylo qui s'ouvre en cliquant versus dans le livre où tu le décapuchonnes, je trouve que c'est une idée très intéressante. J'espère que depuis la sortie du film, Rick Riordan n'a jamais écrit un livre où il est très important que le stylo se décapuchonne pour un retournement de situation. Et aussi, on a la façon dont Gabi meurt à la fin tuée par Méduse. Débrouille-toi. Je ne peux pas ouvrir ce frigo jamais sous aucun prétexte, Percy. Je vis peut-être plus ici, mais je suis toujours le maître des lieux. Bon, ok, dans les deux versions, Gabi vient de disparaître et Sally Jackson, son ex-femme qui vient de le foutre dehors, est la dernière personne à l'avoir vue en vie. Sally, elle va avoir des méchantes explications à donner à la police. Mais ça reste quand même mieux, à mon sens, que la fin du livre où c'est très impliqué que Sally a simplement tué Gabi de sang-froid. D'accord, Gabi est une très mauvaise personne, mais au niveau de la caractérisation de Sally, moi je trouve que ça fait très tâche. J'ai jamais dit que les livres étaient parfaits. Même honnêtement, Le voleur de foudre et sa suite La mare des monstres, si je devais choisir les livres que j'aime le moins de la saga, c'est ces deux-là. Et justement, Gabi, dans le film, ils ont même pensé à justifier son existence. C'est pour ça que ta mère a épousé ton beau-père, parce que sa puanteur masquait l'odeur de ton sang et te protégeait de toute chose ou de toute personne que les dieux enverraient pour te tuer. C'est exactement la même justification que dans les romans, sauf que dans le film, Percy, il est à la maison constamment, versus dans les livres où il vient pour l'été et pour Noël, mais le reste de l'année, il est en pension. C'est quand même bizarre d'avoir un système de dissimulation à des kilomètres de la personne que tu tentes de dissimuler. Au moins, dans le film, Percy, il vit avec Gabi, tu comprends à quel point c'est un mal nécessaire et surtout, c'est beaucoup plus logique. Cela dit, ce ne sont que quelques qualités.
Et ça ne pardonne pas le reste. Percy Jackson et les Olympiens est un très mauvais film qui vient dénaturer une œuvre qui est chère dans le cœur de millions de fans. Ça ne sait pas où aller avec son histoire et ça raconte une version des aventures de Jackson qui est brouillon dans ses meilleurs moments. Mais c'est aussi un film qui m'a personnellement permis de découvrir mon univers de fiction favori et pour ça, je lui serai toujours reconnaissant. Sur ce, mes amis, vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo ou cliquer juste là pour parler plus de Percy Jackson. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du film et qu'est-ce que vous attendez à voir dans la série qui sera disponible d'ici quelques jours sur Disney+. Et tant qu'à être là, pourquoi ne pas vous abonner et activer la cloche au passage. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus amples explorations de notre omnivers.